Ah, la fameuse messe en latin. Chaque fois que le Vatican émet des consignes au sujet de la forme extraordinaire de la messe, un tsunami de réactions s'ensuit, tant chez les partisans de la messe en latin que chez ses pourfendeurs. Notre collègue Benjamin Boivin a voulu aller un peu plus en profondeur et a analysé le phénomène dans un texte publié récemment sur le Salut Benjamin. Salut, salut Antoine. Alors d'abord, euh, je pense que c'est important de faire... De, de, de poser quelques éléments de contexte. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par forme extraordinaire du rite euh, romain? Bon, par forme extraordinaire du rite romain, on entend la messe, euh, le, le, le rite latin, là, la messe telle qu'elle est célébrée dans l'Église latine avant la mise en application des réformes liturgiques qu'il y a eu en 1969-70 à la suite du Concile Vatican II. Il y a eu continuation ininterrompue de la célébration de la messe dans cette forme depuis, mais par contre, ce qui est intéressant de, de souligner, c'est que immédiatement après les, les réformes, on s'attendait en Église là, à ce que ça, ça se termine assez rapidement finalement. Là. On mmh. tolérait la, la continuation de la célébration de la messe de cette façon-là pour des prêtres plus âgés, des communautés qui étaient spécialement attachées, avec l'idée qu'assez rapidement, bien, toutes, les, toutes les paroisses de l'Église latine allaient avoir adopté la, la messe de Paul VI et puis que ça allait terminer. Par contre, ce n'est pas ce qui s'est produit. Il y a une partie significative des, des, des croyants, qui est assez minoritaire, mais tout de même significative, notamment en France à l'époque, qui était très attachée à cette forme liturgique et qui s'est débattue, comme le dire dans l'eau bénite, on pourrait dire, pour, pour pouvoir continuer de célébrer la messe de cette façon-là. Et puis, bon, à l'époque, initialement, à, à, tout de suite après le concile, les raisons qui motivaient ces gens-là ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le croire. Il n'y a pas seulement la liturgie qui entre en ligne de compte, mais il y a aussi… Finalement, certains désaccords ou certains inconforts avec euh, d'autres aspects du Concile. Ouais. Notamment la question de la liberté religieuse là, qui a beaucoup euh, posé problème. Là, on sait que l'Église catholique, avant le Concile et après le Concile, a un enseignement sur la liberté religieuse qui n'est pas. Euh, y a, la continuité entre les deux n'est pas évidente. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a une partie de la, de, du, du monde catholique français là, qui s'est euh, agglutinée autour de Mgr Lefebvre à l'époque et qui, finalement, a euh, formé une, une Église dans l'Église, euh, qui refusait une bonne partie des enseignements de Vatican II et qui continuait de faire comme si de rien n'était. Euh, Jusqu'au jour, finalement, où ça ne pas soit plus une église dans l'église, mais une église à côté de l'église. Exactement. Et puis, éventuellement, ça s'est soldé par une euh, excommunication de Monseigneur Lefebvre mm -hmm. et puis de quatre euh, évêques là, qui avaient été ordonnés par lui sans l'autorisation. Euh, sans l'autorisation de Rome. Et puis ça, ça c'est finalement à partir de ce moment-là, là, on est sous le pontificat de Jean-Paul II, ouais. 20 ans plus tard. On est comme dans les années 80. C'est ça, la toute fin des années 80. Là, Jean-Paul II a, a, a bien pris conscience du fait qu'il y avait un réel problème. Il a choisi la fermeté euh, en, en allant vers l'excommunication. C'était mm -hmm. probablement inévitable. Mais tout de même, l'Église a, a, si on veut, fait une place pour, euh, pour la forme extraordinaire du rite romain. À l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. Là. On l'appelait le rite tridentin, euh, tout simplement. et En puis, référence euh, au conseil de Trent. Exactement, oui, en référence au Concile de Trente. Et puis là, on, on a fait une certaine place, on a, on a créé des institutions dans l'Église pour euh, gouverner certaines communautés particulières. La plus connue, c'est la Fraternité Saint-Pierre qui œuvre ici à Québec, euh, avec le charisme particulier de continuer la célébration de la messe dans cette, de cette manière-là, selon mm -hmm. l'usage ancien. À ne pas confondre avec la Fraternité Saint-Pidis, justement, qui est le mouvement né sous l'impulsion de Monseigneur Lefebvre. Oui, et qui est schismatique, est tout à fait. Donc qui n'est pas en <laughs> communion avec l'Église. Emmanuel est-ce qu'on a une idée de, de, de statistique, du nombre de gens, euh, de, 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 de fidèles? Qui, qui, qui... On a peut-être une idée, mais moi, j'en ai pas. OK. <laughs> mais c'est de fidèles sous 5-10? Oui, c'est ça qui, qui, qui suivent la, la, la forme extraordinaire. Bon, ben dans l'Église, ah. c'est une très petite minorité, mais qui est croissante, en particulier en France et puis euh, aux États-Unis. Euh, Saint-Pédis, combien ils sont, j'en ai aucune idée, mais bon, au Québec, ils sont très peu nombreux. Euh, tout ça pour dire que finalement, là, euh, à partir de ce moment-là, on a assisté euh, de façon... Une, une certaine croissance de la population croyante qui était euh, intéressée par cette manière particulière de célébrer la messe et, et fait nouveau, pas seulement des gens qui sont des natifs, si on veut, qui sont mmh. des enfants de parents... les dedans. Il s'en est dedans. Bon, mais c'est ça. Il y a de plus en plus eu des gens qui ont connu des conversions. Euh, par cette forme euh, particulière de liturgie, Donc, ou qui... qui ont approché ou intégré l'Église dans ce rite-là. Exactement. Ou des gens qui ont toujours été dans l'Église, mais qui à un certain point ont été assurés de façon particulière par cette manière de, de vivre la liturgie. J'ai ah. fait une erreur en, en parlant. J'ai dit dans ce rite-là, mais c'est le même rite, mais c'est une forme différente, une hein, nuance. À... Ouais, ouais. On à... on va arriver bientôt à ça. Oh, ok, bon. James. Encore tout récemment, on apprenait un peu la conversion là, de l'acteur américain Shia LaBeouf, qui, qui, qui a dit être attaché à la forme extraordinaire. Oui, oui, tout à fait. Et puis ça, en fait, ça suscite un certain inconfort. Bon, on, peut, on peut aller directement dans le sujet. Euh, sous Benoît XVI, ouais. il y a environ une quinzaine d'années, euh, après avoir constaté justement le fait que j'étais en train de, de, de décrire la, la popularité croissante de la, de la messe en latin, la messe traditionnelle en latin, ben Benoît XVI a décidé... Notamment, voire même principalement dans le but de poursuivre une réconciliation avec les schismatiques de la fraternité Saint-Pydis, mm -hmm. de, de libéraliser largement la célébration euh, de ce qui est devenu à ce moment-là la forme extraordinaire du rite romain. Ouais. Pourquoi on parle de forme extraordinaire du rite romain C'est que pour Benoît XVI, et ça a été l'enseignement de l'Église, il euh, n'y a pas deux rites, un rite euh, romain et puis euh, un rite tridentin. Il y a un rite qui est commun à l'ensemble de l'Église latine. Et qui existe dans deux formes, une forme ordinaire, celle de la réforme post-conciliaire, et une forme extraordinaire, extraordinaire puisque c'est pas la forme qui est partagée par l'ensemble de l'Église. Ouais. C'est extraordinaire parce que c'est pas l'ordinaire de l'Église. Et puis cette forme là, ben elle, elle a à partir de ce moment là pu être célébrée par des communautés euh, beaucoup plus largement, euh, des prêtres leur, de leur propre initiative, sans autorisation particulière de l'évêque. Là où c'est particulier, Benjamin, si tu me permets, c'est que euh, des rites dans l'Église catholique, il y en a plusieurs. Oui, il y en a euh, fait. Il y en a, si je ne me trompe pas, plus d'une vingtaine là, euh, dans l'Église orientale et l'Église occidentale, une douzaine de chaque côté, des très, très marginaux. Hein? Oui, oui. Bon, les, des rites qui sont célébrés seulement à Milan, par exemple, le rite ambrosien, il y en a plein d'autres. Mais là, on est face à, à, à une forme de célébration, le Rite Tridentin, qui est rattaché aussi à un, un certain rapport à Rome et à l'histoire récente de l'Église. Et c'est là que ça devient plus délicat, je pense, euh, et c'est ce qui a été, euh, disons, au cœur des, des discussions dans l'Église au sujet de, du Rite Tridentin. Oui, oui, tout à fait. Dans le fond, c'est qu ce à quoi on a assisté depuis la décision de, de Benoît XVI en 2007, là, qui était une décision. Euh, qui a beaucoup choqué à l'époque mm. et qui, de fait, n'a pas conduit euh, à, aux résultats anticipés. Là. La fraternité Saint-Pédix n'est pas, ben, pas en communion avec l'Église maintenant, plus qu'elle l'était à l'époque. Ce quelque chose, en fait, c'est qu'il y a une certaine crispation euh, qui, qui s'est endurcie euh, depuis. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'évidemment, puisque cette forme de liturgie-là est beaucoup plus accessible, il y a un nombre phénoménal de communautés qui se sont formées. Je le répète depuis tantôt, mais c'est vraiment un phénomène surtout américain et français. Et où puis les en... séminaires forment beaucoup de prêtres là, dans ce rythme-là. Oui, exactement. Il y a même un enjeu où, dans certains cas, il y a, il y a, il y a beaucoup plus de, de séminaristes qui sont intéressés par la forme extraordinaire ah. que par la forme ordinaire, en particulier aux États-Unis. Et ce qui s'est produit finalement, c'est qu'on a assisté à la, à la croissance en proportion de ces communautés-là. Et euh, chez elles, ben... Y, y, dans l'Église, ça suscite un inconfort. Parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, qui ont parfois raison d'ailleurs de penser ça, euh, il y a beaucoup de gens qui, qui sont d'avis que ces communautés-là, euh, en fait, sont dans un certain rejet, qui soit plus ou moins explicite, des enseignements de Vatican -en II. Et la raison pour laquelle on pense ça, c'est parce que. À l'époque de Mgr Lefebvre et chez euh, la Fraternité Saint-Pédis, c'est clairement ce qui se produit. Ouais. Mais en fait, euh, la forme extraordinaire, une fois libéralisée par Benoît XVI, a touché des gens là, qui étaient complètement étrangers à ces, euh, ces enjeux-là, qui n'avaient rien à voir avec ces controverses-là, qui étaient nullement intéressés par ça, et qui, en fait, ont davantage été touchés par euh, la, la, la façon particulière dont la forme extraordinaire rejoint le sens du sacré chez les gens. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont assisté à, à une messe selon la forme extraordinaire du rite romain, c'est une forme liturgique qui, a, par certains aspects, peut rappeler euh, des, des, euh, des rites dont tu parlais, des rites orientaux. Euh, dans le sens où il y a, il y a énormément d'éléments qui, qui euh, attisent les sens finalement, d'une manière qui est plus corporelle, plus, qui est plus euh, beaucoup de gens disent que la forme ordinaire est plus spirituelle d'une mmh. certaine manière. Et donc la forme, la forme extraordinaire, elle a touché des gens, des gens souvent des jeunes, des jeunes hommes d'ailleurs, qui euh, voient dans cette manière-là particulière de célébrer la liturgie une, une réponse au vide de sens, euh, caractéristique d'une époque où, finalement, on est beaucoup dans l'individualisme, dans le matérialisme. Et puis, euh, on a besoin de la liturgie, on a besoin de ce sens du sacré-là, mais il semble que beaucoup de gens euh, ne le trouvent pas dans la paroisse moyenne, dans mmh. la paroisse catholique moyenne. James, c'est un peu un faux dilemme hein, parce que comme Antoine, au début de, de la chronique, parlait de la messe en latin, mais on sait que dans le Concile Vatican II, il n'y a jamais été question d'enlever le latin, le, le chant grégorien. Même a, selon le Micèle, ce serait permis de célébrer, de tourner vers l'Orient pour le prêtre. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'au fond, la forme ordinaire ressemblerait pourrait ressembler de manière presque identique à ce que c'est avec l'encens aussi. Oui, oui, tout à fait. Parce que ce que tu dis est très important. En effet, le, le, puis ça, ça a été remarqué par Benoît XVI, et il l'a écrit au moment où il a pris sa décision. Là. Euh, les traits distinctifs de la, de la forme extraordinaire du rite romain ne sont en fait pas des traits distinctifs, comme tu dis. La, les, les différents aspects que tu as mentionnés, notamment la communion sur la langue aussi, c'est un aspect. Ouais. c'est des, des, des éléments qui ont été maintenus par la réforme liturgique, mais pour différentes raisons. Qui n'ont pas été voulues ni par le Concile ni par le pape Paul VI. Euh, la liturgie s'est considérablement appauvrie euh, à partir du début des années 70. Et puis, ça, nombreux sont les, euh, les observateurs qui l'ont indiqué. Et puis, cet appauvrissement liturgique-là, qui est contingent et qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas exigé par le Concile ou le pape, a, a accentue le contraste entre la forme extraordinaire et la forme ordinaire, telle qu'elle est expérimentée par le commun des mortels. Bon, moi, je suis dans le commun des mortels. Euh, je vais à la messe. Euh... Dans le, la forme très <rires> ordinaire. <rires> ordinaire, mettons ordinaire, pas très ordinaire. Euh, et là, euh, pour moi, là, le, le rite euh, tridentin, ça ne me dit rien. J'ai aucun intérêt, aucun attrait pour ça. J'ai déjà assisté à, à des célébrations sous cette forme-là. Qu'est-ce que ça pourrait me dire comme croyant C'est-à-dire. Qu'est-ce que j'aurais euh, En quoi j'aurais avantage à m'intéresser à ce phénomène-là euh, Qu'est-ce qu'on peut soutirer de ça euh, Nous, les croyants, qui, euh, qui sont qui voient ça, disons, non, ouais, non, mais j'aimerais ça sortir de l'optique de, de, de c'est une menace ou c'est que parce mm -hmm. euh, que ben c'est ça le, la première réaction, On ne veut pas retourner en arrière. mettons qu'on écarté ça. Si ça suscite des conversions on peut l'espérer sincère, euh, y a-t-il quelque chose qu'on peut aller, euh, pour, pour, comme tu l'as évoqué, pour la diversité de l'Église, ne serait-ce que pour ça, mais aussi euh, pour les fruits que ça porte, y a-t-il quelque chose qu'on peut tirer de ça euh, dans l'Église universelle? Oui, je pense que l'élément principal, en fait, c'est que la, la popularité de la forme extraordinaire du rite romain montre que l'Église est à son meilleur lorsqu'elle est pleinement elle-même, qu'elle est plus capable d'évangéliser lorsqu'elle fait ce qu'elle fait. De la manière dont elle doit le faire. Et Benoît XVI disait. De là, manière assumée. De, de manière la... pleinement assumée, mmh. décomplexée, euh, en, en allant droit au but. Et Benoît XVI disait là, que pour que l'enjeu autour de la, 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 la réforme liturgique, finalement, euh, la raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à aimer la. Certaines personnes ont de la difficulté à aimer la messe. Euh, Telle qu'elle a été réformée, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est mal vécue. Et il disait, de, je vais le citer, je pense que c'est une citation qui est très importante, il disait la meilleure garantie pour que le mycèle de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions. Mmh. Donc finalement, il suffit de célébrer la messe telle qu'elle doit être peu célébrée. Peu importe la langue. Peu importe la langue, pour qu'on qu finisse par toucher des gens qui, comme La Labouf, on, 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 on a un désir d'expérimenter de, de, le sacré uh -huh. qui est enraciné dans leur nature et qui sont confrontés à une église qui trop souvent les en, éprive, les en prive. Benjamin, il reste une minute pour euh, tirer sur l'éléphant qui est dans la pièce. Euh, la réaction récente euh, du pape François, euh, en fait, c'est une sorte de révocation du mm -hmm. proprio de Benoît XVI. Euh, comment on peut euh, interpréter ça Bon, évidemment, là, la décision du pape François est motivée par un ensemble de considérations euh, sociologiques là, qui sont pertinentes. C'est pas faux de dire que dans les communautés euh, qui célèbre la messe de cette façon-là. Euh, il y a des relents de l'époque de Mgr de Fèvre, même si c'est des gens qui n'ont pas connu ça. Il y a certainement une rigidité, dans certains, dans certains cas un, un certain pharisianisme. Et puis, je pense que le pape François a tout à fait raison de, 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 de vouloir casser ses, cette habitude et puis cette tendance-là d'une certaine jeunesse dans l'Église. Cela étant dit, euh, il, la décision du pape François n'empêche pas la continuation ben de, 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 de la célébration de la messe de cette façon-là. Ça dans doit se faire en pleine communion avec l'évêque du lieu. Exact. pas et, une mauvaise et, chose. Elle doit se faire en pleine communion avec l'Église universelle et non dans un genre, finalement, d'Église fantasmée où mmh. on, on, espèce de vivre, on essaie de vivre l'Église dans une forme d'inculturation qui n'est pas appropriée pour l'époque que nous vivons. Mm. Benjamin, toi aussi, on peut lire ton texte sur la question. Ça, ça aussi, ça fait pas mal réagir, hein, pour, pour le meilleur et pour le pire, mais généralement, des bons commentaires qu'on peut lire sous, sous ton... ta publication intitulée « La puissance évangélisatrice de la tradition », c'est sur le verbe.com Un regard je constate, très nuancé sur une question qui autrement est traitée de, de façon plus épidermique. Là, on va vraiment au fond des choses. Oui, mets. qui est souvent assez polarisante, malheureusement. Oui, c'est ça, mais là, on peut regarder ça à tête reposée, de manière plus posée. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce compte rendu. Ça fait plaisir.